Soyez les bienvenus, sejam bem-vindos. Agora estamos aqui ao vivo para nossa aula de conversação com a minha aluna ativadora, Marília, esperando ela se conectar. Deixa eu ver aqui qual é. Se eu tenho Marília Martins, cadê a Marília Martins? Eu acho que eu não anotei o seu nome no Insta, Marília. Então, tomara que você me fale. Cucu, Elisa, c'est moi, para eu poder te chamar. E para quem está entrando aqui hoje ao vivo comigo, a gente fez uma inversão hoje. Hoje, este horário aqui vai ser aula de conversação. E à noite, a gente vai fazer a nossa aula de francês, de fato, tá? Às 9h47 da noite. Tô empolgada, só esperando a Marília aparecer. Será que é? Ah, a Marília apareceu. Marília. E para quem nunca participou de uma aula de conversação, vou explicar para vocês como funciona, tudo legal. Cadê a Marília? Ué. Marília, ah, oi, deu certo. Marília, só vira a câmera. Você não precisa virar o celular, você sabe, né? Tem uma flechinha, um desenhinho de flechinha para você apertar. Conseguiu? Ah. Pode ficar tranquila, vou te ajudando. Ó, tem um desenhinho normalmente no seu celular, é na imagem mesmo. Aqui eu tô te vendo, mas eu acho que você virou o celular mesmo. Você virou o celular mesmo? Bom, tô te vendo, tá tudo certo. Você tá me vendo? Tá bom. Ah, tá bom. Eu te vejo, você me vê? Oui, c'est parfait. Ó, antes da gente começar, deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui pra galera que tá aqui com a gente. Pessoal, essa é uma aula de conversação de uma aluna minha, ativadora, Marília. Vocês vão ter a oportunidade de assistir essa aula como se fossem mosquitinhos, bisbilhotando a aula alheia, a aula de outra pessoa. Aproveita, treina seus ouvidos em francês, aprende junto com a gente. E no final, eu vou fechar os comentários, no final eu abro os comentários novamente para vocês falarem o que vocês acharam dessa aula, como vocês sentiram. E, é claro, provavelmente, elogiar a Marília, que com certeza vai merecer. Eu vou tirar aqui os comentários já. Désactiver les commentaires. Bonjour, Marília, comment vas-tu? Ça va bien? Bonjour Elisa, bonjour à tous, très bien, merci. Excellent. Marília, tu habites où? Tu habites au Brésil? J'habite à Taguatinga, dans le Taguatinga. district fédéral. Ah, d'accord. C'est proche de la ville de la capitale de Brasilia ou non? Oui, c'est à 20 km du Brasilia. De Brasilia, d'accord. Et quelle est ta profession? Je suis fonctionnaire public, mais je suis en retraite. Ah, je suis à la retraite. Je suis à la À retraite. la retraite. Et qu'est-ce que tu Oui. faisais comme fonctionnaire public? Quelle était ton occupation spécifiquement? Je fais la fiscalisation Oui? sur le bâtiment en construction. Ah, d'accord. Donc, tu faisais la fiscalisation de construction de bâtiments, etc. Très bien, très Oui. bien. Et Marilia, pourquoi tu apprends le français? J'aime le français et j'ai été influencée en français pour mon mari. Ah, par ton mari, pourquoi? Oui. Il aime le français aussi. Il est philosophe et il lit en français beaucoup de livres de philosophie et il regarde aussi l'exposé en philosophie aussi et j'ai commencé à étudier le français. C'est très bien. Et ton mari est professeur à l'université ou non? Non, il est professeur à comment je dis? Ah, excusez. À l'école? Au lycée? Non, c'est pour le qui va se faire. Qui va, pardon, ah, qui Pour va des être personnes qui va se faire. prêtre. C'est dans les séminaires. Prêtre. Ah oui, les Dans les séminaires. séminaires. Ah, très intéressant.
Donc, la spécialité de philosophie de ton mari, c'est la philosophie religieuse. Religieuse, religieuse. D'accord. Et comment s'appelle ton mari? Comment s'appelle ton mari? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jaï. Il Jaï. s'appelle Jaï. D'accord. Est-ce que tu as déjà parlé français avec lui? Non, il ne parle pas français. Il lit en français, mais il ne Je parle parle pas. plus que lui. C'est Oui, pas vrai. il lit, il écoute bien, mais il ne parle pas. Donc, tu parles plus que lui. Oui, je parle plus que lui. Marilia, tu es dans quel groupe? Je suis T17. T'es 17, d'accord. Et quand tu as commencé, tu parlais déjà le français ou non? Non, j'ai étudié le français en 2010, mais je ne parlais pas. D'accord. J'ai arrêté les études parce que j'ai tombé malade. Je suis tombée malade, oui. Je suis tombée malade et je prends un long traitement, mais aujourd'hui, je suis très bien. Et en 2018, j'ai recommencé à faire le français, mais une école qui, dans une école qui est Il y a qui donne un cours traditionnel et en 2019 j'ai non en 2020 en 2020 j'ai commencé à faire les cours en ligne mais je n'aimais pas Donc, et c'était le même cours traditionnel, mais qui est transformé en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Et D'accord. je n'aimais pas. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les cours du toit et j'ai aimé beaucoup. Et j'ai entré à la fin du novembre À la fin de 2000. novembre, wow. Et pourquoi, quelle est la différence pour toi entre le cours que tu faisais, qui était traditionnel, mais en ligne, et maintenant? Quelle est la différence? Je pense que je fais le cours tous les samedis au matin et de 8 h à 12 h, c'est très stressant. Oui, devant l'ordinateur pendant 4 heures, ce n'est pas très Oui, agréable. oui. Et il y a beaucoup des élèves qui faire les cours et difficile de parler de tout le monde parler dans les cours. J'ai commencé à faire le français actif et j'ai aimé beaucoup. Ah, je suis contente. Marilia, tu as déjà pris des cours de conversation dans notre cours? Oui, je fais six cours. 6 cours? C'est Oui. bizarre, mais c'est comme ça. On ne prononce pas le X parce que le prochain mot commence par un C. Donc je dis 6 cours. 6 cours. Tu as Six fait cours. 6 cours. Waouh! Très bien, très bien. Donc en janvier et février, en 2 mois, tu as fait 6 cours. C'est très bien. Non, décembre, J'ai janvier, commencé février. en décembre. J'ai D'accord. commencé en décembre. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes de la. Tu m'as dit que tu aimes la culture française, que ton mari aime le français. Et quelles sont les choses de la culture française que tu as maintenant dans ta vie, que tu as apportées pour ta vie? Ah, j'aime regarder les films, les séries et écouter la musique. Est-ce qu'il y a un film ou une série spécifique que tu aimerais recommander aujourd'hui? Ah, il y a déjà tes yeux.
Je ne connais... Il a Tu tes connais? yeux. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas Il a vu. déjà tes yeux. Et quelle est l'histoire? C'est une comédie très amusante. Et c'est un couple noir qui adopte un bébé blanc. C'est très bien. Alors, ça s'appelle Il a déjà tes yeux, parce que comme j'imagine que c'est une comédie, l'enfant est très différent des parents, mais il Oui. commence. Et pourquoi tu as aimé ce film? Ah, pourquoi parle-t-il d'une famille qui aime l'enfant? Et pour, parce que c'est une comédie, j'aime les comédies, j'aime rire beaucoup. C'est bien. Tu as parlé de ce film, ça m'a fait penser à un autre film qui n'est pas français et qui n'a rien à voir, mais en même temps, oui. C'est l'histoire. C'est un film japonais qui s'appelle, en portugais, le nom c'est Pais e Filhos, parents et enfants, père et enfant. Et ça parle, c'est la relation d'un homme avec son fils. Et le garçon a 6 ans, je pense, le petit garçon. Et le père pense que ce garçon est très différent de lui. Il ne comprend pas pourquoi ce garçon est tellement différent de lui. Et alors, il découvre que son enfant a été changé à la maternité. Qu'ils ont donné un bébé qui n'était pas leur fils à eux, et que leur fils, leur vrai fils biologique, a été donné à une autre famille. Le père alors décide de rechanger les enfants. Il va, il parle avec l'autre famille et ils font ça, ils changent les enfants. Et alors ça parle de cette relation père et fils. C'est un très très beau film. Ce n'est pas une comédie, mais c'est un très beau film. Il y a des moments drôles, enfin. Et alors tu m'as dit aussi que tu aimes la musique en français. Est-ce que tu as une chanson ou un chanteur ou une chanteuse préférée? J'aime la musique de Natacha Saint-Pierre. Oui, Natacha Saint-Pierre. Oui. Et Pourquoi? j'écoute beaucoup. J'écoute jazz aussi et d'autres chanteurs. Et c'est parce que la musique de Natacha, c'est romantique, c'est calme. J'aime la musique Et de calme. Maria, tu es une personne romantique? Ah, je pense que si. Que Oui. Qu'est-ce que tu aimes, par exemple? Est-ce que tu aimes faire des surprises à ton mari? Préparer quelque chose? Qu'est-ce que tu aimes faire de romantique? J'aime faire les gâteaux parce qu'il aime beaucoup. Et comment que j'ai dit lasagne La en lasagne, français? lasagne. Lasagne. Ah, les lasagnes qu'il aime aussi. Et mon fils aime aussi. Et quel âge a ton fils? Mon fils a 16 ans. 16 ans. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mathéus. Mathéus. Et il va à l'école alors? Oui. Et il fait les cours en ligne parce que à Brasilia et tout le district fédéral, nous sommes je En dis que confinement, en confinement. oui, en confinement, oui, en confinement. Et est-ce que ton fils aime, est-ce qu'il préfère le cours en ligne ou aller à l'école? Il préfère aller à l'école, comme tous les ados. J'imagine, ça doit être très difficile pour les adolescents en ce moment, parce qu'ils sont privés de la meilleure chose de l'école, qui sont les amis. C'est Oui, horrible. c'est C'est vrai. horrible. Et alors, Je est-ce suis. que dans ta ville, Itatiaia, non, Taguatinga. Itaguatinga, est-ce qu'à Itaguatinga, la situation du Covid est Non, compliquée? Taguatinga, Ah, ce n'est pas Taguatinga, île. Taguatinga, pardon. Taguatinga, oui.
Est-ce que à Taguatinga, la situation du Covid est très compliquée en ce moment? En ce moment-là, si. Oui, c'est très compliqué. C'est dans tout le Brésil. Je suis très préoccupée. Qu'est-ce qu'il va se passer, Marilia? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui nous reste faire, c'est nous concentrer là où nous pouvons changer les choses. Rester à la maison, porter le masque quand on sort et s'occuper de notre tête. Je pense que comme tu es à la Oui. retraite, tu vas être d'accord avec moi. Il faut qu'on s'occupe de choses qui sont importantes pour nous et qui vont nous donner plus de vie, plus de qualité de vie, plus d'énergie. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Et dans ta vie, quelles sont les choses qui te donnent plus d'énergie, plus de qualité de vie? Je marche tous les jours dans les parcs devant chez moi. Et puis je pratique yoga À la maison? à la maison, en ligne. En ligne, C'est très d'accord. bon, oui, en ligne. Et Et est-ce que tu as... Oui, pardon. je gère tout chez moi. C'est beaucoup de travail de faire toute la gestion de la maison. Oui. C'est beaucoup de Et travail. je fais le cours de français avec vous. Et je fais le cours de dessin à nuit. Ah, tu fais des cours de... Tu prends des cours de dessin? Oui. Waouh, je ne Ah, savais en pas. ligne aussi. Super. Tu sais, Marilia, je ne sais pas si tu sais, mais mon père est peintre. Mon père est artiste. Il est peintre. Et je pense que tu peux t'intéresser. Si tu prends des cours de dessin, ça peut t'intéresser. Il fait tous les mardis, je pense que c'est mardi, il fait des lives sur Instagram. Il s'appelle Sergio Fingerman. Et tous les mardis, mardi à 8 h du soir, il fait un live sur Instagram pour parler d'art. Donc, il présente un artiste, il présente la peinture ou la sculpture. Quelquefois, il compare deux artistes. Et si tu aimes dessiner, je pense que tu vas aimer son travail aussi. Ah, je veux regarder. Quel style de Les dessin? mardis, n'est-ce pas? Oui, les mardis, aujourd'hui, il va y avoir à 8 h du soir. Et il s'appelle Sergio Fingerman comme moi. Sergio Ah, Fingerman. ok. Marilia, quel type de dessin tu fais? Tu fais des dessins en crayon? En couleur, réaliste. J'ai commencé en créant. C'est le dessin réaliste. Et puis, je pense de faire un cours de peinture. Ah, super, super. Ben, mon père, il a un cours. Ce n'est pas une publicité, c'est parce que tu me dis ça. Mais mon père il a créé l'année dernière un cours en ligne de peinture. Tu vas aimer. Ah, c'est bon. Oui. Et mon père, je vais faire la publicité de mon papa maintenant. Mon père est un des grands artistes du Brésil. Il a fait déjà des expositions dans des grands musées comme au MASP, à São Paulo, à la Pinacothèque, au musée Oscar Niemeyer à Curitiba, au musée national de Belas Artes à Rio. Donc, c'est un artiste très reconnu. Je pense que tu vas beaucoup aimer. Il est très différent de moi et très similaire en même temps. Tu vas me dire, c'est toi qui vas me dire, Marilia, tu vas aller voir ce qu'il fait et Ok. après tu viens me dire si tu penses que je ressemble à mon père ou pas. Ah, bien sûr, je vais regarder. Et ton fils, Mateus, ressemble à toi ou ressemble à Jair? Je pense qu'il ressemble plus à moi. Physiquement et Et aussi de manière... encore le Jaï, oui. Physique, les deux, physiquement et Physiquement. physiquement. Et le Physiquement. caractère. Et le Le caractère. caractère est mélangé. C'est mélangé? Est-ce que tu C'est pourrais mélangé. décrire comment est ton fils? C'est un adolescent, donc je sais que ça doit être difficile. Il est mince. Oui. Il est haute. Je dis haute. Grand, il est grand. Grand.
Il est grand, mince, et il ressemble beaucoup à moi. Donc, il a les Il y cheveux a noirs. oui, les cheveux noirs. Il y a des, comment que je Les parle? sourcils. Sourcils. Les sourcils comme moi, Oui. les yeux comme moi, mais le nez est ensemble du son père. Ressemble à son père. À son À père. ton père. Okay. Le nez et la bouche. Oui. D'accord. C'est de son père. Et il est un bon étudiant. Il parle anglais. Il s'intéresse pour parler français aussi Ah bon. parce qu'il y a un rêve de faire la diplomatie. Ah, alors c'est très important d'étudier le français. Très, Oui, très important. il déjà parle anglais et espagnol. Il parle déjà. C'est dans l'autre ordre. Oui. Il parle déjà anglais et espagnol. Oui. Donc c'est un très bon élève. Oui, très bon. Je pense que tu es fière de ton fils. Tu sais ce que c'est être Oh. fière? Oui, je suis fière. Je Beaucoup. vois, je vois. Mais c'est Comment impossible. que j'ai dit en français? Main Main rouge. rouge. Il n'y a pas une expression pour dire ça. En français, comment on dirait? Une maman douillette, tu peux dire. Douillette. Douillette. Douillet. Mais ça veut Oui. dire une Oui. maman douillette, ça veut dire une maman qui fait beaucoup de câlins, qui s'occupe beaucoup de son fils. Oui. De ma part, aujourd'hui, ce matin, Théo m'a fait à manger, regarde. Il m'a donné des choses à manger. La petite soupe. Oh. Il est mignon. Oui, il est très mignon. Il est très mignon. Mais il commence maintenant l'adolescence des bébés. Parce qu'il va Ah. avoir, bientôt, il va avoir 2 ans. Et sur Internet, tout le monde dit que les 2 ans sont terribles. Et il commence à dire non pour tout. Tout le temps, tu lui dis, Théo, viens manger. Non. Et il vient, mais il a besoin de dire non. Théo, tu veux faire un bisou à maman? Non. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il dit non. C'est impressionnant. Oui, c'est la même chose qui arrivait avec Mathéus. Ah oui? Quand il a 2 ans. Quand il avait 2 ans. Quand il avait deux Un ans. an, oui, quand il avait 2 ans. Et ça passe? Ça dure combien de temps, cette adolescence des bébés? Je pense que après 2 ans, Mais ça 2 ans. dure 1 an ou ça Non, dure longtemps? Ah non, non, 2 ans comme ça. Oh là là. Et j'ai un problème, c'est que Théo, il n'aime pas dormir dans sa chambre. Il dort dans sa chambre, mais au milieu de la nuit, il se réveille et il pleure. Je ferme la porte de sa chambre. Donc il dit Abby, Abby, ça veut dire ouvrir, ouvrir la porte. Abby, Abby. Alors on doit venir et il veut venir dormir avec nous. Et alors je dois rester très longtemps avec lui dans sa chambre pour qu'il dorme de nouveau, pour pouvoir revenir dans ma chambre. Sinon, il vient dans mon lit. Terrible. Quand Mathéus est j'étais non Était, quand quand Mathéus Mathéo était. était petit. J'ai laissé la porte ouverte et dans ma chambre, j'ai écouté et il soufflait. Soufflé. Soufflait? Oui. À soprano. Non, non, comment que j'ai dit? Écouter Respirer. Tu l'entends? ah, sa respiration. Oui, tu entendais sa respiration. Écouter sa respiration. Et quand il n'est
réveillez pas dans la nuit. Ah non, Il quelle dormit. chance! Non, c'est très bien pour moi. Il est couché à 10 heures et réveillé à 6 heures du matin Waouh! pour manger. Moi, non, ici, il va dormir à 8 heures. Ah. Il se réveille normalement, il se réveille à minuit et à 3 heures du matin, deux fois. Deux fois. Mais maintenant, ça fait une semaine que j'ai interdit le portable. Pourquoi? Parce qu'il me voit travailler sur le portable et il voit Paolo travailler. Et alors, il veut aussi regarder des dessins animés. Quand il a accès aux dessins animés, au portable, etc., il dort très mal. Maintenant, on a enlevé le portable et il se réveille une seule fois. Donc, je pense que ça va s'améliorer. Parce que je pense qu'il était très stressé par les images, par la lumière, tu sais. C'est quelque chose de très compliqué avec Internet et avec les portables, les smartphones. C'est très compliqué avec les bébés. Marilia, bravo! Vou ativar aqui os comentários. Eu tô mega, mega orgulhosa, fière de Marilia. Je peux compartilher quelque chose? Bien sûr, bien sûr. J'ai gagné de mon mari Oui, ce cadeau. oui. C'est une collection de petits livres Oui. pour commencer à lire en français. Ah, très Et bien. ce livre-là, Les Trois Mousquetaires, il y a le premier niveau, il y a de 400 à 700 mots. Oui. Et l'autre, Les Contes de Monte-Cristo, il y a de 700 à 1 200 mots. Super. Et d'autres, qui c'est Le Tour du Monde En en 80 80 jours. jours, qu'il y a de 1 200 à 1 700 mots. Super. Et à la fin, c'est Madame Bovary qu'il y a plus de 1 700 mots. J'ai Super. commencé à lire. C'est très bien, c'est bon pour mon apprentissage. J'aimais beaucoup. J'ai pensé à compartiller avec mes amis. Super, super, super. Marília, é muito orgulho. Que demais e muito legal esses livros também. Adorei essa coleção, vou até procurar também. E realmente estou muito, muito feliz com o seu francês. É muito legal. E aqui, a galera, agora eu abri os comentários. Se quiserem, vocês podem colocar aqui os comentários de vocês também. Mas é muito orgulho para mim, enquanto professora, ver você falando francês. Você entrou no curso em novembro, mesmo que você já tivesse feito um pouco de francês antes, como você disse, você não conseguia falar. Então, você consegue se comunicar com tranquilidade. Ah, quer dizer que eu não faço nenhum erro? Claro que não. Claro que tem algumas coisas para corrigir. E normalmente o que eu achei muito interessante é que em uma frase você errava e depois de novo você falava certo. Então você já está em processo de melhoria. Por exemplo, em um momento eu te corrigi sobre o pourquoi parce que. Em francês, quando a gente faz uma pergunta com pourquoi, a resposta sempre tem que ser parce que. Mas em seguida você usou certo. Então isso me mostra que você já está no processo de aprendizado. Quando a gente não aprende assim de repente e sai certo todas as vezes. A gente vai falando. E o que é muito legal é você priorizar a comunicação. Porque a gente falou de trabalho, a gente falou de família, você falou do seu filho, a gente falou da pandemia, a gente falou sobre assuntos extremamente variados, sobre arte, sobre curso online. Enfim, a gente falou sobre assuntos extremamente variados e você foi com a mesma tranquilidade. Você pode até me falar que você estava nervosa, porque sempre vocês me falam que vocês estavam nervosas. Mas você foi Com super certeza. bem. Você foi super, super bem. Então, realmente queria te dar os parabéns por isso. Muito, muito legal. Como foi para você? Ah, foi muito bom. Eu gostei da experiência, que eu não tinha feito uma conversação individual, somente em grupo. E eu tenho seguido assim seus conselhos, né, para estudar.
Eu gravo, eu faço áudios lendo algumas frases em francês para melhorar. Depois eu escuto e eu repito, repito sempre bastante quando eu estou errando para poder melhorar. E tenho feito os módulos direitinho, estou participando bem. Eu fiz a aula do Drapeau Jaune, né? Eu comecei a fazer as listas de palavras, tenho aprendido muita palavra, está sendo muito bom aumentar meu vocabulário. Que Estou demais. gostando muito do curso, Que muito mesmo. demais, que demais, Marília. E você está sempre super presente aqui. Então foi muito legal, uma honra realmente conversar com você. E você pode continuar desse jeito. Fiquei também muito feliz de você me falar que fez 6 aulas de conversação, porque muitas vezes. É, os colegas acabam esperando, achando que eles precisam estar preparados, e isso me mostra a prova viva é você de que a gente só fica preparada quando a gente está em movimento. Não adianta a gente querer estar preparado para fazer alguma coisa. Ixi, vocês vão ouvir o Theo chorar um pouquinho. Só porque ele não queria pôr meia. Tá cansado. Enfim. E aí, é muito legal. Eu vi até um comentário de alguém falando: ela não trava quando ela não se lembra de uma palavra. E por que que ela não trava? Porque ela está acostumada, ela já fez 6 aulas de conversação em grupo. Que a prioridade é a conversação, é a comunicação. Quando a gente aprende um idioma, não é a palavra solta. Ela falou aqui da técnica de criar listas de palavras, que isso é uma coisa específica que eu proponho em determinado momento do curso, mas não é o ponto de partida. Você não pode começar a aprender uma língua. Só com gramática ou só com lista de palavras. Você tem que começar priorizando a comunicação, o entendimento, se fazer entender e entender. Então não é para ter medo de da conversação. Olha lá, Sandra Santos com medo. Pelo amor de Deus, Sandra. É, o melhor da vida está depois do medo. Na hora que você começa a conversar e ver que você é capaz de conversar em francês, eu tenho certeza que você também é, assim como a Marília, você começa a perceber: uau, por que que eu esperei tanto tempo para isso? Porque é isso que vai me colocar realmente no nível de francês que eu desejo, que eu sonho. Então, e aí também outro comentário aqui, que foi uma conversa muito natural. Exatamente. Então, parabéns, Marília, porque você está realmente indo super bem. Tenho certeza que você vai muito longe. Com certeza, quero conhecer a França. Ah, então, ó, você já tem um plano assim que terminar essa pandemia. E que a gente for vacinados, eu tenho certeza que a gente vai ser liberados de viajar também. E quero ver você na França me mandando uma fotinho lá na Torre Eiffel, no Musée de Ah, Louvre. com certeza. Com certeza. Super. Um beijo muito grande para você, Marília. Merci beaucoup. E aqui eu tô vendo que eu Merci vou. à tous. Merci. E à très bientôt, Marília. Eu te vejo durante o nosso curso. Ok. E eu tô vendo que tem algumas pessoas fazendo pergunta de como fazer as aulas de conversação, etc. Então, as aulas de conversação são para os meus alunos ativadores da língua francesa, os alunos que estão dentro do meu programa completo de francês ativo ou meu programa de perfeccionamento. Importante, se você tem vontade de saber mais sobre o meu curso, tem vontade de. Não existe a opção de fazer só a aula de conversação, tá bom? Só para quem é meu aluno aí existe um pacote de aula de conversação. Mas se você tem vontade de participar ou do meu programa completo de francês ativo, que é o que a Marília faz parte, ou como ontem à noite eu conversei com a Lilian, que é do meu programa de perfeccionamento, que é o programa para quem já está avançado na língua francesa, você aí sim tem a possibilidade de entrar e fazer as aulas de conversação às quais você tem direito, ou de adquirir mais aulas de conversação. E de qualquer forma, você precisa, antes de mais nada, participar da jornada Fale Francês. E vocês às vezes veem assim os alunos falando francês, vocês pensam que é mágica, mas eu tô com a minha camiseta aqui para lembrá-los que não é mágica, é método, é passo a passo, é ter clareza sobre o que você precisa fazer. Então, se você tem vontade de ativar o seu francês também, porque o francês existe dentro de você, bora lá. Agora é só você participar da nossa jornada Fale Francês, que começa no dia 15 de março e é 100% gratuita e 100% online. Quero agradecer demais a Marília. Un gros bisou et bravo et à très bientôt. Ciao, ciao.